Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous montrer comment obtenir des magnifiques fonds d'écran sur votre Mister FPGA, que ce soit sur un écran LCD ou sur votre CRT préféré. C'est parti. Donc l'idée c'est de récupérer donc des magnifiques fonds d'écran et de les avoir sur son Mister quand il démarre. Donc là vous voyez, mon Mister est déjà configuré en conséquence, donc quand il s'allume sur mon écran CRT, il y a des très très beaux fonds d'écran qui apparaissent comme voilà. Et à chaque reboot, il y en aura un nouveau. Donc là je reboot le Mister, il y en a un autre, bon celui-là je l'aime moins mais il est quand même intéressant. Encore un autre, voilà, on aime pas, c'est chez goût. Et un dernier, donc voilà, encore un autre qui se présente. Donc ça marche très bien à chaque reboot ou à chaque fin de partie sur un corps, il changera. Donc ici vous voyez il y a des scripts Mister Wallpaper pour les écrans LCD et Mister CRT Wallpaper. Pour les écrans CRT. Il y a aussi Update All dans lequel vous pourrez faire les mêmes choses en plus simple, mais bon ça sera une option que je vous montrerai après. Donc le premier c'est Mister Wallpaper, donc vous l'exécutez, il va se lancer tout seul. Une fois qu'il sera lancé, il aura téléchargé tous les bons fichiers. Idem pour Mister CRT Wallpaper, il va télécharger les fichiers de fond d'écran, il va les mettre sur votre carte SD dans le répertoire Wallpapers. Et une fois qu'il sera rebooté, vous verrez tous les fonds d'écran disponibles comme sur la vidéo actuellement. Il y a aussi le Update All, donc je disais, qui vous permet en fait de configurer ça dans le menu. En fait, vous allez appuyer vers le haut et tout en bas, vous allez choisir dans Extra la possibilité donc de mettre des wallpapers. Vous vous mettez à Enable et vous mettez après les options qui vous plaisent. Hein. Ça, c'est à vous de choisir. Vous sauvegardez. Moi, j'ai déjà sauvegardé, donc c'est fait. Vous faites exit et là il va se lancer tout seul et il va faire comme les autres scripts, tout télécharger et vous mettre vos fonds d'écran dans le Mister FPGA sans rien faire sauf ce que je vous ai déjà montré. Donc le Mister FPGA va rebooter tout seul et là on voit comme tout début de vidéo les fonds d'écran qui se proposent. Donc comme j'ai dit, sur un CRT c'est en 4 tiers, sur un écran LCD ils seront disponibles en 16/9. Là, on voit tous les fonds d'écran actuellement disponibles, en sachant que de temps en temps, il y en a des nouveaux. Mais il y en a vraiment énormément et de très très bonne qualité. Vraiment un excellent travail. On en voit encore quelques-uns ici qui sont superbes à regarder. Donc là aussi, je vous mets les sites des personnes qui mettent à disposition les scripts sur lesquels vous pourrez récupérer tous les scripts et faire ce magnifique rendu sur votre Mister FPGA pour le CRT et le LCD. Et donc là, on voit quelques fonds d'écran en plus gros pour vous faire une autre idée sur ce qui est possible et disponible. Donc franchement, il y a de quoi faire, il y en a pour tous les goûts. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cet outil. Moi je l'utilise tous les jours, ça marche très bien, ça fait pas planter le Mister FPGA, au contraire, ça rend vraiment l'utilisation du Mister plus agréable parce que c'est plus joli, un petit peu moins austère que comme on le connaît sans cette configuration là. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo ou pas jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets. Allez, ciao, bye.